flics sont des gens bien, mais ils sont traités comme des chiens. De toute façon, plus t'es quelqu'un de bien, plus tu te salis les mains. Les plus grosses fortunes du monde sont des tueurs, les spécialistes. On y est, les frérots, les amis, vous l'attendiez, je l'attendais aussi. Bonjour! Les gars, je suis trop excité, on se retrouve de retour sur Euro Truck Simulator 2, les amis. Vous voyez, j'ai le smile de ouf. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. On va recommencer une toute nouvelle aventure et ensemble. Vous le voyez, en plus là, j'ai trois profils. Cheat Money XP, niveau 89 avec seulement 2000 km. Ici, voilà, c'est mon profil habituel, niveau 173, mais j'avais cheaté également. Et puis là, pareil, niveau 162. Tout ça, c'est des profils où j'ai cheaté avec des mods pour un peu m'amuser, tout simplement avec les mods. Voilà, et comme promis, comme prévu, je vous avais dit que j'investirais un petit peu dans les DLC pour, eh bien, recommencer une toute nouvelle aventure legit avec mon G27. Ça va être incroyable, les amis. Prenez place, prenez à boire et à manger. Ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer, alors liste des DLC, je vais vous montrer les DLC que j'ai installés. Malheureusement j'ai pas pu tout installer, d'ailleurs quand on regarde tous les DLC qui existent, c'est juste phénoménal hein. Alors j'ai actuellement Going East, Italia, Scandinavia et Vive la France. Il me manquerait, alors il me manque encore Beyond the Baltic Sea, donc c'est celui-là. Et si j'ai celui-là, je peux accéder à la Pro Mode. Alors bon, ça m'intéresse pas à donf maintenant puisque je veux juste commencer une nouvelle aventure, mais quand j'aurai celui-là on pourra aussi faire de la pro mode. En tout cas là c'est pas le but du jeu, on va juste recommencer à zéro, on va faire un nouveau profil et les gars on va vraiment recommencer à zéro, ça va être incroyable. Et vous savez quoi, cette petite série elle est pour vous, je vais vous rendre un hommage. Donc déjà le profil on va l'appeler parce qu'en fait je sais même pas comment je vais appeler le profil. Par contre le nom de l'entreprise j'ai envie de l'appeler M Company pour vous rendre un hommage les amis, voilà. Mais le nom de mon profil, comment on va l'appeler là? On va l'appeler Mcolo on the road, d'accord? Évidemment, je suis un homme. Alors, la photo. C'est trop drôle de recommencer avec vous, les amis. Ça fait trop bizarre. Alors, oh là, oui. On a Jojo Bernard. Alors, attendez, les amis. Oh, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Non, non, attendez. Hop, on va mettre celle-là. Voilà, vous savez quoi? On va mettre celle-là. Design préféré du camion. Alors, on va pas se prendre la tête. On va prendre celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, je vais pas vous mentir. Logo de l'entreprise. Bon, il y a toujours pas autant de choix. Hein. C'est toujours pareil. Donc on va prendre le feu parce qu'on est des machines. Et on va créer le nouveau profil. Alors je vais juste passer les étapes de paramètres parce qu'il faut que je paramètre le G27 etc. Donc évidemment je vous fais des coupures mais voilà. Ok, bon visiblement c'est fini. Je pense que j'ai des réglages assez basiques. Donc je vais, à mon avis, va falloir changer un peu les paramètres ultérieurement. Les amis, ça fait depuis extrêmement longtemps, sachez-le, que je n'ai même plus touché ce G27 hein, sur Euro Truck. Qu'on soit juste bien d'accord. Hein. Donc déjà avec les paramètres de base et en plus comme ça fait longtemps que j'ai pas roulé, je pense que le petit didacticiel va nous faire du bien. Histoire de reprendre la main, je pense que je vais faire un peu n'importe quoi, mais en tout cas voilà, c'est pour le début. Alors sélectionnez la ville où vous souhaitez débuter. Je sais même plus comment ça marche le début d'Euro Truck, donc c'est vraiment cool. Et du coup, mais oui, j'ai accès à la Pologne, j'ai accès à plein de choses. Oh bah les gars, bah ouais, ah oui bah oui puisque j'ai les DLC. Alors je... vous allez me prendre pour un con mais du coup j'ai zappé que du coup oh, la Corse. On a trop de choix. On a trop de choix. Pologne. Écoutez. Est-ce que ça a été amélioré Strasbourg? Du coup, est-ce que ça a été amélioré avec les DLC? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a sinon La Rochelle? Oh, je veux commencer à La Rochelle les gars. Moi je pars en vacances sauf cette année en Charente-Maritime. Je veux commencer à La Rochelle. Big up à tous ceux qui sont en Charente et en Charente-Maritime. Allez, moi je veux commencer La Rochelle, bord de mer direct. Hein. Oh, oh là là les gars, bien sûr, évidemment. Oh, c'était pas prévu, mais alors... mission en cours, absorbant chimique, La Rochelle. Ok, ouais, voilà. Juste un petit transport tutoriel, quoi. On est parti, les gars. Maximum de pouces bleus. On est parti. Voyons voir. Waouh, c'est cool. Bienvenue dans Euro Truck Simulator 2. Vas-y, je vais faire genre je connais pas le jeu, d'accord. Enfin, vous avez la chance d'exercer le métier de vos rêves, conduire un camion. Votre propre entreprise, machin, vous savez quoi, on s'en fout, vous connaissez tous, voilà. Et oh, stop. Ça sert à rien de lire, tout le monde connaît. À un moment donné, on va pas non plus parler chinois. Ok, ça y est, on y est. Alors, l'angle de vue est incroyable. Est-ce que si je tourne le volant... Ah, ça tourne le volant comme je veux. Arrête. C'est bien paramétré, ok, très bien. Appuyez sur eux pour démarrer le moteur. Oui, du coup, j'ai encore rien configuré. Faudra que je configurerai ça hein, entre cette vidéo et le prochain. Parce que du coup, j'ai plein de boutons sur mon levier de vitesse. Hein. Utilisez votre contrôleur additionnel pour déplacer votre camion, je comprends rien. Bref, du coup, il me dit qu'il faut que j'avance un petit peu. Ok, jusque-là, pas de soucis. Voilà, je m'arrête. C'est bon ?
Il y a d'autres vues disponibles, oui. Voilà, il m'explique tout, hein. Mais il faut le faire. Ok, j'ai déjà ma remorque. Ah, bah c'est mon camion que j'ai dit que je voulais. Ok, d'accord. Donc voilà, on a toutes les caméras, c'est incroyable. Il y en a qui me demandaient en commentaire comment je faisais pour avoir certaines vues. Bah c'est simple, hein, en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est tout, voilà, donc tout simplement, hein. Ok, essayez différentes vues, appuyez sur rentrer pour continuer. Et hier de faire une livraison, utilisez le GPS qui est intégré, donc ça c'est cool. F1 pour zoomer. Pas du tout. Lorsque le jeu est en pause, voilà, etc, etc. On va passer vite les détails, on connaît, ne vous inquiétez pas. Annuler la mission, etc, etc, continuer. Fermez le tutoriel, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini les gars. L'ensemble est prêt à partir, suivez les indications jusqu'à votre destination. Eh ben les amis, on est parti. Alors attendez, il faudrait juste que j'aille où là? Où je sors tout? À gauche? Je pense à gauche. Donc on y va les amis. Alors ouais, du coup la vue elle ne tourne pas avec le volant. Donc ça, il faudra que je paramètre ça également. Parce que du coup, quand je tourne le volant, j'aime bien que la vue tourne également avec en fait. Et même pour vous, c'est bien plus agréable. Donc je corrigerai ça, ne vous inquiétez pas. On va juste déjà voilà, se contenter de ce petit trajet pour se refaire la main. Et les gars, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de recommencer ici une aventure. Donc je vais juste vous réexpliquer, peut-être que vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, donc soyez les bienvenus. Ah ouais, pareil, les clignotants, je fais comment pour les mettre du coup, parce que c'est pas... Attends, arrête-toi frère. C'est pas sur mon volant encore, hein. Ça c'est embêtant. Hein. Mince. Eh ben je sais pas comment faire. Je vais paramétrer ça juste après les amis. Mais donc pas de clignotant, tant pis, hein, on s'en fout, hein, pas important. Du coup, pour vous expliquer comment ça va se passer, c'est pas une série où il y aura des vidéos obligatoirement tout le temps. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... ouais, là, je suis en train de faire chier tout le monde avec ma remorque. C'est que c'est pas une série avec des épisodes genre... comment dire? En fait, ce sera une suite logique, mais à tout moment, je jouerai hors vidéo, en fait. C'est-à-dire que là, je suis niveau 1. À tout moment, à l'épisode 2, je serai niveau 5. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en fait, le but du jeu, c'est vraiment que je vous fasse des vidéos, voilà. Mais c'est surtout voilà, que je recommence à zéro une nouvelle aventure et que moi, de mon côté, bah, je puisse également m'amuser hors vidéo. C'est un petit peu le but du jeu. Et je vous montre en vidéo eh bien, mes avancées. Voilà, mon entreprise, je vais pouvoir recruter des gens, avoir mes camions, mes garages. Et ça va être ça, le but du jeu, d'avoir la meilleure des entreprises possibles. Et ça, j'avais complètement oublié ça, mais ça m'excite de ouf. Ça va être trop, trop bien, les gars, vraiment. Ça va être trop cool. Et par contre, du coup, je suis là en train de découvrir. Voilà, je suis à La Rochelle. C'est un endroit que je ne connais pas. Et toute cette modélisation est super stylée. Là, on vient de passer une voie ferrée. Juste ça, c'est méga stylé parce que c'est la première fois que je joue avec des DLC et que je découvre ça. Hein, donc, alors, petit rappel aussi. Évidemment, vous savez que c'est mon partenariat, mais je le rappelle quand même parce que j'en profite comme je peux. C'est que Eneba, c'est sur Eneba que j'ai pris les DLC. Donc, les 4 DLC que j'ai là, c'est sur Eneba que je les ai pris. Je pense que c'est quand même plutôt un bon plan, donc n'hésitez pas à passer dans la description pour vous rendre sur Eneba. Vous avez 3% de réduction supplémentaire avec le code MKOLO. Sachant que du coup Eneba, je vous rappelle c'est quoi? C'est un site qui vous permet d'avoir des jeux moins chers. Je vais pas citer les concurrents, mais vous connaissez très bien le délire. Hein. Donc voilà, c'est plutôt cool. Juste voilà, j'ai pas pu prendre là le billet de Baltic Sea encore parce que c'est le plus cher. Et voilà, j'ai pas non plus énormément d'argent. Hein. On va pas se mentir, je suis pas là en train d'investir à fond pour Euro Truck, faut pas déconner non plus. Je roule sans clignotant, je roule sans regarder, je fais comme je peux parce que pour le moment j'ai rien qui est paramétré, donc on fait un petit peu comme on peut. En tout cas on est bientôt arrivé et j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir de retour sur Euro Truck. Sachez que moi je suis trop content et que je pense que je vais beaucoup jouer le soir, même hors vidéo du coup comme dit, vraiment je pense que je vais me régaler. Et voilà, en vidéo le but ça va être de découvrir un maximum les paysages. Vous allez me voir découvrir le monde. Puisque comme dit voilà, c'est ma première fois avec des DLC et c'est vraiment trop cool. Alors approchez-vous de la porte d'entrée. Oui, ok, c'est encore là-bas. Très bien, on y va. Au dépôt, une fois que vous avez sélectionné... il m'explique tout, mais t'inquiète, ça je connais, il n'y a pas de souci. J'espère que les barrières vont s'ouvrir. Sans problème. Très bien. Voilà, bonjour. Hop, voilà. Salut, je suis arrivé. Hop. Appuyez sur la touche entrée. Eh bah écoutez, tant qu'on y est, on va se faire un peu d'XP quand même. Hein. Faut quand même qu'on se reprenne la main. Donc voilà, on va faire toute la manœuvre, les gars. On est là quand même pour. Voilà, j'arrête pas de caler depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas si vous le remarquez, mais j'arrête pas de caler. Hein. Mais stop, frère! Allez! Un petit effort. L'embrayage, s'il te plaît. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, alors, comment on va faire? Moi, je suis vraiment. Ça fait depuis méga longtemps que j'ai plus fait de manœuvre. Déjà que j'étais pas excellent. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Tac. Et je vais faire ça, ça. Et je vais essayer en vue intérieure. Alors attends, si je fais ça, ça passe ou pas? Ah, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. J'arrête pas de caler. Stop! Tu déconnes?
Voilà. Ça passera jamais, hein. Ce que je suis en train de faire est débile, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça va me permettre de repartir de l'avant. Alors juste ne rentre pas dans la remorque. Ce serait vraiment dommage. Donc là, je repars dans ce sens. Oh là là, les gars, j'arrête pas de caler. J'ai l'impression de passer mon permis camion, là, tu vois. C'est un calvaire. Allez, on va se mettre au plus proche. Ah, je suis désolé, hein, tous les chauffeurs camions qui me regardent et qui doivent se mordre les doigts. Allez, c'est bon, ça m'a... Mince, ça m'a saoulé, je vais me mettre en vue comme ça. Donc, il faut que je braque les roues dans ce sens. Non, 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 dans l'autre. Non, justement, dans ce sens. Excusez-moi, j'ai tapé le micro, c'est infâme. J'ai encore calé. Il va falloir que je règle tout ça, hein. Parce que ça ne me plaît pas du tout, hein, comment c'est réglé, l'embrayage, etc. Voilà, vous inquiétez pas, se maîtriser. Regardez. Regardez ce qui va se passer, là. Ça va rentrer tout seul, comme papa dans maman, regardez. Regardez. Eh, même ça, vous savez pas faire, je suis sûr. Eh, moi, prenez-en de la graine, hein. Bon, ok, là, c'est peut-être un petit peu foiré. Mais, attendez, bougez pas. Voilà, hein. Vous voyez la vidéo d'un youtubeur qui est en train de passer toute sa vidéo à faire une manœuvre. C'est incroyable. On y est, dernière ligne droite. Ouais. Dernière ligne droite, les gars. Je braque à fond. Tu recules tout droit. Voilà. Voilà, et là, je reviens vers lui. Tac, 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 tac. Doucement, doucement, doucement. Pas encore. Continue. Je vais taper. Je vais taper. Non, c'est bon, je tape pas. Vas-y, reviens. Et ben voilà. Alors, c'est pas parfait, hein. Mais ça passe. Non, ça passe pas. Sans déconner, là. Ça passe pas. Attendez, bougez pas. Voilà. Ah bah là, ça peut pas être mieux, là. Regardez. Eh, professionnel, le gars, il fait... J'arrête pas de caler. J'arrête pas de reculer sur ma... Oh. On me respecte. C'est la même compagnie, ici, hein. Non, non, mais ça passe, là. C'est très bien. Hein, c'est très bien, là. Regardez, hop. Voilà. Beau travail, qu'attendez-vous? Dételé et commencez à jouer seul. Bah ouais, bah... Oh, waouh, le truc qui tourne. Alors, j'ai jamais vu ça, par contre, hein. Je sais pas si c'est une nouveauté des DLC. Il nous a fallu 22 minutes. Ah non, mais 22 minutes dans le jeu, genre, oui. Voilà, donc je suis même pas niveau 1, en fait, hein. Je suis niveau 0, donc c'est incroyable. Continuez. Et ben voilà, c'est fait. On va atterrir sur le menu. Et ben, les gars, ça fait vachement plaisir. Ça fait vachement plaisir. Donc, ce qu'on va faire, écoutez... Ouah, par contre, le garage, il est pourri. Voici votre siège social, il est pourri. C'est un garage plutôt basique, sans blague. Malheureusement, vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici. Il n'y a donc aucun camion, voilà. Etc. Faudra qu'on en achète, etc. etc. C'est incroyable. Ici, vous pouvez observer votre progression, choisissez votre prochaine mission, etc. etc. Les amis, je vais configurer tout comme il se doit, tout comme je l'aime, mes commandes du G27, donc avec... tous les boutons, j'aimerais un petit peu configurer les axes et tout de mon embrayage parce que ça me plaît pas énormément, j'arrête pas de caler. Je vais y configurer tout ça et puis je vous retrouve, pour moi je pense que ce sera dans un quart d'heure, une demi-heure, mais pour vous c'est dans 2 secondes, à tout de suite. Hey, on s'ambiance comme on peut avec la musique du jeu. On est reparti, M-Colon The Road. J'ai un petit peu modifié les paramètres, un petit peu configuré comme je voulais. Je pense que j'ai pas encore tout fait. Et c'est vrai que maintenant que je m'y penche un petit peu plus, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de choses que je pourrais faire. Notamment ouvrir les fenêtres du camion. C'est un truc tout con qu'on pourrait faire et que j'attribuerais, je pense, ultérieurement. En tout cas, voilà, je pense avoir un petit peu bien... Il me manque quelque chose. Clavier bouton, c'est pour regarder à gauche et à droite. J'ai complètement oublié ça. Alors attendez, regardez. Regarderai rétroviseur gauche. Donc ce sera ici. Voilà, normalement tout est plus ou moins bon. Alors j'ai reçu un email. Donc voilà, le but du jeu c'est ça, c'est un petit peu regarder. Nouveau modèle Renault à vendre, madame, monsieur. Voilà, nous sommes distributeurs. Très bien, merci Renault, c'est gentil de. Mais je n'ai pas d'argent. Voilà, je n'ai pas d'argent. Alors marché du travail, on va se faire une petite mission rapide du coup pour bien commencer. On va voir ce qu'il va nous proposer. Donc là on est à hauteur du coup de La Rochelle, hein, on est bien d'accord. Et on a pas mal de petites missions qui nous sont proposées. Donc moi je vous propose directement longueur du trajet, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce que je veux c'est le prix du plus fort au plus petit, c'est bien ça, hein. Tac, donc là voilà, on a un petit trajet. La Rochelle, Bordeaux, palette vide. Et ben écoutez les gars, c'est parti, on va transporter des palettes vides pour 3 000 €. La Rochelle, Bordeaux. Voilà. Comme ça, on en profitera pour prendre un petit peu de vin, hein, bien évidemment, du vin de Bordeaux. Hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Très bien. On n'a pas de GPS sur ce camion, malheureusement. Je vérifie juste, donc, quand je tourne le volant, voilà, la vue tourne. J'ai déjà donc la remorque, ok, petit camion, le klaxon.
incroyable, on va pouvoir eh bien, mettre le contact, démarrer. Attendez, ça c'était pas prévu. Démarrer le moteur et on est parti. Donc on est sur La Rochelle, ça va être assez incroyable les amis. J'espère qu'on va passer du bon temps ensemble, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc là on est dans un petit chantier et voilà, c'est super agréable pour moi les amis parce que voilà, pour moi c'est de la totale découverte. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Je ne connais pas, je sais même pas où je dois aller. Je pense que c'est bien là parce que ça ressemble étroitement à un chemin. Là je dois aller à droite j'imagine. Oui, ça me paraît évident. Donc on va aller à droite doucement, 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 doucement. C'est un petit peu chaotique visiblement. Ok. Est-ce que ça passe à droite? Ça passe à droite, c'est bien. Faudra encore que je configure un peu les touches parce que là ça me paraît pas optimal hein, comment j'ai fait ça. C'est pas très intuitif ce que je viens de faire en fait. Mais c'est pas très grave. On va aller à droite. C'est super sympa. C'est super sympa. Hop, on va se mettre comme ça. On va regarder ce qui se passe. Tout va bien. Et on est parti. Normalement, j'aurais dû regarder à droite. Mais je ne connaissais plus la touche. Allez, c'est parti. Je roule un petit peu comme un petit fifou. Hein, on n'a pas le temps. Alors, les lumières. Voilà, très important quand même. Et on a une petite courbe. Je le vois sur le GPS. Donc là, on a 3 heures de route tranquillement. J'ai un petit peu changé aussi dans les paramètres. C'est-à-dire que j'ai mis consommation d'essence réaliste. Donc, à mon avis, on va morfler. Si vous voulez mon avis. On va plutôt morfler et je pense que ça va nous coûter pas mal. Donc là j'ai 2383€ sur moi. Donc là évidemment le but du jeu ça va être d'éviter les accidents, d'éviter les excès de vitesse. Bah, tout simplement pour éviter de perdre un maximum d'argent. Ça change complètement tout puisque là vraiment le but du jeu bah, c'est vraiment réaliste. C'est comme dans la vraie vie, vaut mieux pas faire le con quoi. Très clairement donc voilà. Hop, je me suis trompé de touche et là c'est la merde. C'est la merde, va falloir que je fasse ça un petit peu plus logiquement. Allez j'y vais. Direction La Rochelle, la ville de La Rochelle, puisque là on est dans les alentours de La Rochelle si j'ai bien compris. On n'est pas exactement à La Rochelle encore. Non, ça veut dire qu'on va traverser La Rochelle et après on va aller sur Bordeaux et tout. C'est méga stylé. Alors, dites-moi, parce que moi c'est à Royan moi que je... Salut. Il me fait pas d'appel de phare. Moi c'est à Royan que je pars en vacances du coup pour les vacances d'été en général. La Rochelle c'est juste au-dessus, on est bien d'accord il me semble. Hein. J'y suis déjà allé hein, bien évidemment mais il me semble c'est juste au-dessus. Hein. Je me pose des petites questions comme ça, c'est pas très utile mais voilà. Écoutez, je vais quand même mettre le rétro. Je vais quand même mettre le rétro artificiel parce que j'ai beaucoup trop peur et je vais super vite. Hein. J'ai vraiment l'impression d'aller super vite alors je sais pas si... Je fais vraiment n'importe quoi. Oh, c'est un rond-point. Ouais, les touches. Alors là, les gars, les touches, va vraiment falloir que je les change. Hein. Faudra vraiment que je les change. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Là, on va aller à droite. Et là, on va prendre la 837. Non, on va prendre la 10, direction Bordeaux. Autant pour moi. Ça passe. Il a de la patate ce petit Renault quand même, hein. Hein, on dirait pas, mais il a de la patate quand même, hein. Le camion, tranquille, c'est bon, ça passe. Allez, tranquille, tout roule. On est parti pour du 90 km/h, très bien. Donc oui, alors la boîte à vitesse, comment je l'ai réglée? Bah ça c'est traditionnel, hein. Je l'ai réglé en séquentiel, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quoi. Hein. C'est du... 2, 4, 8, 10, 11, enfin vous voyez le délire. Voilà, c'est séquentiel. Parce que c'est beaucoup plus simple. Ok, on n'est même pas encore à 90, donc c'est plutôt tranquille. On n'a pas une cargaison bah, fragile en fait, c'est juste des palettes vides hein, pour rester RP, donc tranquille, on n'a pas de stress à avoir. Là je suis à 90 km/h, j'ai pas configuré mon régulateur de vitesse par contre. Allez, je passe la 12ème pour être tranquille, mais... C'est bon, on reste bloqué à 90. Ah, je me demande si j'ai pas mis le bleu. Ah, ah oui, alors attendez. Je pense que j'ai pas touché ça. Il me semble que par défaut, dans les paramètres, on est bloqué à 90 km/h, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais vous demander, les amis, vous allez me répondre en commentaire. Est-ce que... Parce que je sais pas, dans la vraie vie, les camions, ils peuvent aller... Enfin, ils sont pas bridés, non? Je ne sais pas, je m'y connais pas. Est-ce que les camions sont bridés dans la vraie vie? C'est-à-dire que là, je suis bridé, par défaut. Mais est-ce qu'ils sont bridés ou pas? Je pense pas, il y a bien des camions qui roulent à 100 sur l'autoroute, non? Ou je suis une merde et je comprends rien? Je sais pas. Donc j'aimerais vraiment que vous me dites, est-ce que c'est vraiment bridé? Et est-ce que vous voulez que je débride le camion? Sachant que là, le but du jeu, c'est quand même que je reste aux limitations.
C'est-à-dire que je dois vraiment rester à 90. Mais je veux dire, est-ce que je débride quand même pour que ça me rajoute un peu de challenge ou pas? Parce que là, vous voyez, j'ai mon pied enfoncé sur la pédale, j'ai aucun problème, je suis à 90 et je risque pas de dépasser les 90, donc je risque pas d'avoir d'amende. Voilà, la question c'est la suivante, est-ce que je débride ou pas le camion? Enfin du coup dans les paramètres évidemment, est-ce que j'autorise d'aller plus vite ou pas? Voilà, au risque d'avoir des amendes si je ne fais pas attention. Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à me donner vos astuces, vos idées, si vous avez même des bons plans de DLC à acheter qui pourraient être bien sympas pour la jouabilité du jeu. Niveau essence, j'ai vraiment l'impression que ça descend comme jaja. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on a descendu de fou par rapport au début de la balade. Pas de la balade, vous m'avez compris. Alors là, va falloir prendre à droite à un moment donné. Donc tranquille. Ah, il y a un péage à 200 mètres. Oh là là. Oh là là. Quel échec. Cette anticipation. Ok, on va se mettre là. Tranquillement. Le camion devant. La voiture, pardon. Si je dis des bêtises, hein. Tout doux, tout doux. Ça coûte combien? Comme ça, je vais pouvoir voir combien ça coûte là. Parce que je faisais jamais vraiment attention à ça. Ah bah là, pour le moment, c'est juste un ticket. Donc tranquille. Non, c'est faux. J'ai absolument pas tapé la barrière. Hein. Alors par contre, j'ai calé. Ça, c'est vrai. J'ai absolument pas tapé la barrière. Je vous l'assure. Vous n'avez rien vu. Alors. Tout roule. Non, je vais à gauche. Je fais n'importe quoi. C'est méga frustrant les touches, comment je les ai mises. Je vais vraiment reconfigurer ça entre cette vidéo et la prochaine que je ferai. Et globalement, après cette balade, on mettra fin à cette vidéo. Mais je pense très sincèrement que ce soir, pour ma part, je vais pas mal jouer un petit peu et avancer tout simplement. S'il y a des gros trucs, je sais pas, par exemple, quand je recruterai des gens, quand j'achèterai quelque chose, etc. Là, évidemment, je ferai ça en vidéo. Ça va de soi. Hein, je vous montrerai tout ça. Qu'est-ce qu'il fait le camion? Qu'est-ce qu'il fait le mec devant? Pourquoi il s'est mis à gauche pour se remettre à droite? Hein? C'est curieux. J'ai pas vu de trucs sur la route de gênant, donc je ne sais pas ce qu'il a fait, c'était assez bizarre. En tout cas, voilà, je vais pas me répéter là-dessus, parce que je pense que je vais assez le répéter, très clairement, mais je suis tellement content de rejouer là, comme ça, sur le jeu, avec les DLC en plus, enfin c'est vraiment fantastique. Je vais vous dire en plus, et ça ce qui est incroyable, c'est que c'est très casse-bonbon à installer mon G27 avec tous les câbles, enfin bref, tout le setup là que je dois mettre sur le bureau, je vous jure, c'est un bordel et c'est chiant. Et il y a une petite part de démotivation à chaque fois. Sauf qu'en fait, quand tu te retrouves devant le jeu avec le G27 installé, bah la démotivation elle a disparu parce que c'est que du kiff en fait, c'est que du bonheur. Et du coup là vous retrouvez à faire ces vidéos, à recommencer l'aventure, enfin franchement c'est que du bonheur, vraiment. D'ailleurs, alors oui, j'aurais dû en parler dès le début de la vidéo. Ah, je me déteste. J'aurais dû en parler dès le début de la vidéo, mais c'est pas grave, parce que les vrais seront encore présents. J'avais réfléchi à un truc, à un concept. C'est que pour pas qu'il y ait du vide, pour qu'on ait toujours quelque chose à discuter, à chaque vidéo sur Euro Truck où je conduirai, parce que finalement c'est simple, hein, c'est à part le plan business, quand on va faire des achats, quand on va acheter des garages, qu'on va avoir... des employés, etc. Là, ça va être un peu business. Mais je veux dire, les moments comme ça, transport, là, vous voyez, je parle parce que j'ai un sujet de discussion. Eh ben, ce que je propose, pour ceux qui ont connu Galax à l'époque, voilà, Galax que je salue, Galax qui fait toujours des très bonnes vidéos aujourd'hui, mais je crois qu'il ne fait plus de Euro Truck, si je dis pas de bêtises, j'ai plus trop suivi, mais en tout cas, à l'époque, moi, j'étais un grand fan de Galax quand il faisait des vidéos sur Euro Truck. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que à chaque vidéo, il parlait de quelque chose. Il avait un débat ou il avait, je sais pas, il parlait de quelque chose à chaque fois. Il me semble qu'on lui proposait en commentaire. Je ne suis plus sûr de comment ça se passait. Ce que je sais, c'est qu'il avait tout le temps un thème. Voilà, dans cette vidéo, il parlait de ci, de ça, etc. Et voilà, il débattait avec vous en vidéo. Et ben, je me suis dit, tiens, on va plagier Galax. Non, c'est pas, je me suis pas réveillé un matin comme ça, mais je me suis dit, pourquoi pas faire un truc dans le genre et parler. Deux sujets, voilà, deux sujets. Mais comme je suis pas non plus légitime à dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça, etc. Et donc du coup je me suis dit, eh ben à chaque fois vous allez mettre en commentaire le sujet sur lequel vous voulez qu'on parle, si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresserait déjà que dans chaque vidéo on parle de quelque chose? Si dans le cas où ça vous intéresse, eh ben mettez en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle, donc notamment dans la prochaine vidéo, si vous avez un sujet d'actualité ou... voilà, je sais pas, un sondage, une question, enfin, etc. Si vous avez un thème de discussion, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'essaierai de voir là-dessus si ça m'intéresse et si j'ai des choses à dire.
Bah voilà, si vous voulez que je vous donne des avis sur des choses, ce que je pense de machin, etc. Bah n'hésitez pas, on fera ça. Moi ça me fait plaisir, si ça vous fait plaisir. Si vous voulez pas qu'on le fasse, bah on le fait pas. Mais en tout cas voilà, vous me dites tout ça en commentaire. Et le péage il coûte 34€. 34€ pour si peu de kilomètres, où est l'arnaque? Par contre j'arrête pas de caler à chaque péage, c'est incroyable. Faut vraiment que je reprenne la main. Ah c'est pas pareil, c'est pas pareil qu'en vrai l'embrayage, ça c'est pas la même, pas pareil. Je cherche des excuses un petit peu on dirait. Alors ok, tout roule. On va toujours vérifier les angles morts les amis. Oula, elle m'a fait peur la voiture. Voilà. Vous inquiétez pas, comme dire, je fais un peu n'importe quoi avec la vue, les clignotants, etc. Mais c'est complètement normal. Putain, je viens de voir le panneau Montpellier. Mais c'est incroyable. Voilà, je suis avec les DLC, je trouve ça fascinant. Pourquoi le camion, il se met pas à droite? Allez, ah voilà, vous n'allez pas commencer à m'énerver. Hein. Moi, j'arrête pas de faire de l'autoroute là ces derniers temps. Pareil, en ce moment, je fais beaucoup d'autoroute dans la vraie vie. Et alors, il y a des trucs qui m'énervent. Et du coup, même dans les jeux, ça va commencer à m'agacer. Voilà, bien évidemment. Comme dit, donc j'ai rien contre les chauffeurs de camions. Je vous ai déjà dit que j'ai un immense... Mais c'est de la merde. Ce qui vient de se passer est très très chaud. Hein. Attends, je vais mettre les warnings. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Je m'excuse auprès de... Mais arrête-toi. J'ai fait n'importe quoi parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris à la situation. Oui, du coup, je disais, j'ai un immense respect pour les chauffeurs camions et je l'ai dit et je le répète, et c'est ça ce qui me fascine aussi dans le jeu, c'est de pouvoir un petit peu vivre, même si c'est pas pareil, mais vivre un peu ce que vous faites, les gars, hein, parce que c'est vraiment grâce à vous, etc. Enfin, c'est vraiment illégitime de critiquer les chauffeurs camions quand même. Hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez me critiquer moi parce que je fais n'importe quoi un petit peu, mais une fois que j'aurai repris la main, que j'aurai tout bien configuré, eh ben, ça va être incroyable. Et ce sera dès la prochaine vidéo. Et on arrive sur Bordeaux, les amis. Ça y est, Bordeaux rosé. Le mec, il pense qu'à l'alcool, c'est incroyable. Ah ouais, mais c'est bon le Bordeaux quand même. Ah, on s'en lasse pas du Bordeaux. Hein. Ok, on est bientôt arrivé. On a un petit feu rouge. Oh là là, tranquille. Je m'attendais pas à ça. C'est du bonheur. Hop, voilà. Tu freines quand tu veux, par contre. Ce serait con que je lui rentre dedans. Alors ça serait clignotant droite. Ouais, c'est vraiment pas logique hein, ce que j'ai fait. Hein. Je vais corriger tout ça, quoi. Je vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Zéberdi mon guigui. Bam. Et vous savez quoi? Tiens, on va se faire aussi un petit kiff. Regardez, je vais faire ça. Hop, et je vais faire échappe. Hop, et ce sera la miniature de la vidéo. Voilà les gars, on est là à la cool, tac tac tac, on fait les miniatures en live, écoutez, pourquoi pas, donc écoutez, voilà, ça fait plaisir, en plus on a les petits panneaux Paris-Nantes, machin, tac, je me mets comme ça, ça va pas être très long, je vous rassure, hein. Le but c'est pas de vous faire chier, mais au moins voilà, comme ça, ça nous permet de faire plein de trucs, en fait, il y a tout le temps du contenu à faire hein, dans ces vidéos, c'est que voilà, je fais même la miniature, c'est quand même incroyable, là je veux du flou derrière, transition de flou, je m'en fous, non mais moi ce que je veux faire c'est tourner, ah c'était ça que je voulais faire, tac, voilà, tac, 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 bam. Ensuite, saturation, évidemment, on augmente. Et puis voilà, prendre une photo, bam, et c'est réglé. On a la miniature. Par contre, attention, parce que ça va repartir direct. Hein. Voilà, impeccable. On a la miniature, ça fait zizir. En tout cas, Bordeaux découverte. Ça y est, on découvre Bordeaux. On va même pouvoir, du coup, faire des missions à partir de Bordeaux. Et ça fait plaisir. En tout cas, voilà, ouais. Encore une fois, j'espère que ça vous fait plaisir, mon retour sur le jeu. Moi, sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Et j'ai vraiment hâte de continuer, je vais pas vous mentir. Là, une fois que la vidéo sera finie, je vais aller boire un coup et puis je vais tout reconfigurer et puis je vais un petit peu rouler, je pense, hein, en vrai. On verra comment ça va se passer. En tout cas, le clignotant droit, toi tu fais quoi? Toi c'est bon, je regarde pas, hein, j'ai confiance. J'ai confiance à ce qui arrive à gauche. Bassens, c'est quoi Bassens? Excellent, je connais pas. Ça veut dire Bordeaux? Je connais pas, je sais même pas ce que ça veut dire Bassens. Ok, très bien, je croyais qu'on était à Bordeaux. Ça doit être Bordeaux, mais ouais. Puis je m'y connais pas. Ouais, donc voilà, si c'est le cas, bah, si vous êtes content de me revoir, n'hésitez surtout pas vraiment à mettre un pouce bleu, à répondre à ce que je vous ai demandé en commentaire aussi. Hein, très important. Ok, c'est bon. Très important. Et puis donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite, bien évidemment. Et je pense qu'on va... on va voir. J'ai hâte de voir combien on va gagner. Franchement. Eh, arrête-toi. J'ai hâte de voir combien on va gagner. Hop, ça passe crème. Faudrait que je rajoute un petit peu plus de force dans G27 pour que ça m'incite à prendre plus lentement les trucs parce que en vrai, normalement, ça se coupe pas mal, quoi. Ok, personne vient. Impeccable. Voilà. Et on arrive sur un petit cul-de-sac. Alors, attends, on va ralentir parce que comme dit, je connais pas, je sais pas où je dois aller. Hein.
Bah j'ai pas le choix je pense d'aller là. Ok. Arrête toi tranquille 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 le, ne panique pas. Est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre. Ça aurait été con hein. Alors attends on va prendre large. Oh oui on va prendre un petit peu plus large encore. Ok. Le pire. Ok alors bam. On va essayer de faire la manœuvre hein, quand même hein, tant qu'on y est les gars. Ah on n'est pas venu par les chinois hein. Puis bon ça va pas être très compliqué hein. Moi je vous dis vous savez je suis un expert de toute façon maintenant donc tac on se met comme ça. Voilà. Et ben on n'est pas prêt d'y arriver hein. Ah, moi je vous le dis. Voilà. Pour le moment j'ai pas fait d'accident. Ce serait vraiment dommage d'avoir des pénalités hein. Non toujours pas. C'est dans ce sens. Putain un jour j'y arriverai de nouveau hein. Parce que à force d'avoir joué j'étais bon hein, quand même hein. Mais alors là oh les gars ça me prend la tête je vais jamais y arriver. Ah j'ai calé. T'en déconnes là. J'ai calé encore. Ah ouais je vais bouillir hein. Pour passer le machin vous manquerez des points. Appuyez sur entrée. Allez c'est bon. Non franchement désolé les gars j'arrive pas. Alors je suis passé niveau 1 et j'ai gagné 3090 euros. Ok. Eh ben écoutez les gars c'est plutôt pas mal. Et je gagne donc des compétences. Alors qu'est-ce qu'on va prendre tiens. Longue distance, marchandise, machin. Éco-conduite. Bah les produits dangereux ça rapporte plus d'argent en vrai hein. Bon en même temps marchandise de grande valeur. Vas-y carrément. Marchandises de grande valeur. Allez, appliquer. Direct. Et rester en contact avec vos garages, embaucher, machin. Donc là, j'ai 5400 boules. Ce qu'on va faire, juste, on va regarder le nouvel email. Et on va s'en arrêter là. Besoin d'argent. Ah, c'est la banque. Ouais, c'est la banque. Pour faire des prêts. On pourra faire des prêts. Pourquoi pas. On verra. On n'y est pas encore. En tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Attendez, regardez. Hop. Boum. Vous me voyez en plus grand. Attendez ça va pas ça. Voilà c'est un petit peu mieux comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas donc encore une fois pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos incroyables aventures sur Euro Truck Simulator. C'était Mkolo, merci de m'avoir suivi. On est arrivé à bon port et en vie. Ciao tout le monde.